La pub préférée de Mariana. Si vous vous posez la même question que moi, mais quelle est cette pub qu'elle adore autant? N'hésitez pas, c'est véritablement celle avec la musique classique. Ça, c'est clair. Vous avez vu derrière? Vous savez de quoi on va parler ce soir? Bah oui, on va parler de l'histoire. On va se raconter plein d'histoires, puisque la semaine, l'actualité de la semaine est pleine d'histoires. On fera un tour par Captain America. On ira regarder, bien évidemment, un peu ce qui se passe sur le web. C'est une émission, encore une fois, didactique. Pourquoi il y a de la bouffe? Ah, Disneyland. Eh, c'est pas un hasard. Vous allez voir que tout ce qu'on va vous montrer ce soir, c'est pas un hasard. C'est fait, bien sûr, pour vous apprendre plein de choses. C'est fait aussi pour pouvoir bah, vous dire la vérité. Je commencerai par vous dire un truc que j'ai sur le cœur. Bah oui, alors j'ai rien contre Movistar qui nous a planté la semaine dernière. Ça, c'est clair. Mais par contre, il y en a un qui m'a fait du mal aujourd'hui. Bah ouais, alors j'ai pas dit que j'allais lui péter la gueule, mais il m'a fait du mal. Donc, on en parlera juste après. Vous allez voir quand on va démarrer l'émission. En tout cas, vous n'êtes pas assez nombreux. Amenez du monde, partagez l'émission, dites-leur que ça commence. Je suis sûr que la moitié, effectivement, ne savent pas qu'on a déjà débuté. Vous devriez être des centaines et des centaines et des centaines. Mais vous voulez que je vous parle de quoi? De la liberté financière, ta mère? Non, c'est impossible. On va parler clairement. Oui, il y a des vaches maintenant. C'est Halloween 2020, tiens. On va parler de tout ça. Il y en a plein des trucs dont on va parler, tu vas voir. Il y a plein de trucs. On ne parlera pas forcément des vaches. Non, ça ne nous intéresse pas, franchement. Allez, Mariana, générique, c'est parti. C'est parti, vous me faites plaisir. Lui m'a fait mal, mais vous, vous me faites plaisir. D'abord, un gros big up à Hugo qui tenait la caméra tout à l'heure. Hugo, tu me rappelles combien tu as attrapé sur l'euro-dollar tout à l'heure? 60 euros. Il débute tranquillement. Un petit coup de 60 euros, tout va bien. Tu as fait autre chose ou pas? Voilà, 60 balles. Il est bien, ben, il est content. En tout cas, c'est réglé. Oui, Ikajai, un max de blé sur le Nasdaq. Tu as parfaitement raison. Ça me fait plaisir d'être autour de la table avec vous. Bonsoir Léo. Comment ça va? Ça va en pleine forme, on a fait beaucoup de blé sur le Nasdaq. On a fait beaucoup de blé sur le Nasdaq, je répète, on a fait beaucoup d'oseille sur le Nasdaq. Il y en a un d'ailleurs qui va parler ce soir, vous le verrez, c'est Hervé. Hervé, il faut qu'il se retourne. Alors la caméra qui prend Léo actuellement, elle est juste là, regarde Hervé, voilà. Et Hervé, vous verrez, il vous le dira, voilà, magnifique. Il vous le dira tout à l'heure, Hervé, il est avec nous parce qu'il est abonné de Genius, il est même plus qu'abonné de Genius, il est investi dans Genius. Donc pour te dire que... On est véritablement, tu vois, avec le mec qui pèse un peu quand même. Et en fait, Hervé, il vous dira tout à l'heure ce qu'il est venu me voir. C'est pas lui ce qu'il est venu me dire. C'est pas lui qui m'a fait du mal, parce que lui, au contraire, il me fait du bien. De le faire gagner, moi, ça me rassure. Mais il est venu me voir tout à l'heure, il me dit, Luc, alors en plus, c'est très drôle. Regarde la caméra, je veux qu'on le voit, parce que je veux qu'on voit l'expression de son visage quand je vais le dire. Il sait même pas ce que je vais dire. Je veux qu'on voit l'expression de son visage pour être sûr que je raconte pas une connerie. Il est venu me voir juste après l'open. Il devait être aux environs de 15h50, quelque chose comme ça. Il est venu me voir, il parlait comme ça. Il me dit, excuse-moi de te déranger. C'est vrai ou c'est pas vrai jusque-là? Jusque-là, c'est vrai. Il est venu me voir, il m'a dit, excuse-moi de te déranger. Comment tu savais que le Nasdaq allait s'écrouler? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Et le Nasdaq s'est écroulé. On a pris des points, des points, des points, des points, des points. Et en plus, tu as la réponse. Donc, c'est formidable. Il a pris des points aussi, Hervé. Il viendra vous en parler tout à l'heure. Le micro bug, ça y est, il commence lui. Qu'est-ce qu'il a, Thibaut? Quel est le micro qui bug? Amenez-moi le texon. C'est pas possible. Le micro, il bug pas. Là-haut, ça va. Oh, quand même, tout va bien. Merci d'être avec moi ce soir. Partagez cette émission. Allez, partagez, partagez, partagez. On va se faire plaisir, on va rigoler. Et vous verrez qu'il y a plein de choses à se dire. D'abord, le mec qui est venu me faire du mal. Ah bah lui, il m'a brisé le cœur. J'étais in love, j'ai fini single. Ah ben alors là, en l'occurrence, il m'a tué. Salut les gens, salut Omar, salut tout le monde. Clairement, il m'a scié le garçon. Alors je t'explique. Je te le remets en forme pour l'histoire. Parce que ce soir, c'est l'histoire. Hein. Vous avez vu derrière?
Ah oui, l'homme a marché sur la lune, t'es au courant. Sur la lune de je sais pas quelle nana, mais il a marché dessus, ça c'est clair. Bref, alors, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, figurez-vous qu'on appelle un prospect, comme dans notre démarche commerciale classique traditionnelle, qui s'est inscrit sur notre base de données et qui s'y est désinscrit. Il a le droit de s'inscrire et il a le droit effectivement de se désinscrire. C'est un droit, on a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, c'est normal. Mais quand les gens se désinscrivent, souvent, on cherche à savoir ce qui se passe parce que nous, on n'aime pas que les gens s'en aillent. Donc, on n'essaie pas de les convaincre de rester, on veut juste comprendre pourquoi ils s'en vont. Ça paraît naturel. Alors là, on a appelé et on a eu affaire à un Rottweiler croisé avec un Stocksterrier, enfin bref, un truc qui fait « waouh, 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 waouh ». Mais calme-toi, je t'ai rien dit. Calme-toi, je t'ai rien dit. On veut juste entendre. Calme-toi. Ouais, mais j'aime pas Luc. J'aime pas. Mais pourquoi tu t'es inscrit? Mais pourquoi tu voulais recevoir nos offres? Oui, mais j'aime pas Luc. Mais pourquoi t'aimes pas Luc? Pourquoi tu l'aimes pas? Et là, écoutez bien, parce que ce type, il est exceptionnel. Ce qu'il a lâché en 3 secondes, parce qu'il n'y a que lui qui parle hein, à ce moment-là. Toi, tu essayes de lui dire bonjour monsieur, il t'a déjà envoyé sur la lune, tu vois, celle qui est derrière. Tu parles avec lui gentiment. Et le mec te dit, ouais, il critique tout le monde. Ben, il ne critique pas tout le monde. Je me critique moi aussi. Il y a plein de gens que je ne critique pas pour lesquels, effectivement, je suis plutôt admiratif. Mais les gens dont je parle, si tu t'es pas cassé la gueule, si tu n'as pas été mettre ton pognon sur les CFD, si tu n'as pas été chez tel broker, si tu n'as pas été chez tel mec qui faisait de la formation à 2 balles, si tu y as été et qu'après tu as compris pourquoi je disais ça, tu ne peux pas m'accuser de dire du mal sur tout le monde, voyons, loulou. Il y a plein de gens, que j'aime, regarde. Et il y a plein de gens qui aiment la Genus. Alors, tu vois, regarde. Moi, ce soir, j'ai dit, je ne fais plus d'émission. Il m'a tué, il m'a flingué. J'ai été à Lourdes, j'ai fini par Saint-Jean-de-Compostelle. Bref, j'ai fait tous les trucs machin. Et j'ai dit, c'est quand même débile, absolument débile, de penser ce genre de choses, alors qu'en définitive, je suis enclin à inviter, écoutez bien, c'est important, à inviter n'importe qui, je dis bien n'importe qui voudrait s'exprimer autour de la table du Money Studio et on pourrait débattre comme des gens sérieux, tout simplement. Moi, c'est réglé. Bonjour, monsieur Vaudan, j'ai une question sur le stop-loss, vu qu'entre guillemets, vous déconseillez les stop-loss, je voudrais savoir si c'est possible de s'endetter auprès d'un broker. Pas auprès du broker, parce que c'est fini, ça. Avant, tu avais la possibilité, moi, j'ai connu l'époque où tu avais même des margins négatifs. Mais par contre, tu peux effectivement t'endetter pour pouvoir trader. Je suis contre ça. Mais aujourd'hui, les plus grands traders le font. Il n'y a rien, on va en parler d'ailleurs dans cette émission, il n'y a rien de cash sur les grosses opérations. Absolument rien. Les banques font de la trésorerie, bien évidemment, tout ça. Au moins, c'est réglé. Comment ça va, les gens? Comment vous allez? Comment vous vous portez? Comment ça va ce soir? Il y a plein de trucs à vous dire ce soir. Alors, on va commencer traditionnellement par les stats Genus, tu l'as compris. On va aller faire un petit tour du côté de la Genus. Ce soir, on va se raconter plein d'histoires, mais des histoires à dormir debout. Hein. Quand je vous dis à dormir debout, c'est vraiment des trucs assez incroyables. Info, bien sûr, on va aller chercher la Genus et on va aller regarder les statistiques. Hein, au moins, on verra bien ce que vont donner les statistiques. Alors, on y va. Allez, tout le monde peut avoir accès aux statistiques. Hein. Tout simplement, il suffit d'aller chercher correctement, en tout cas, la Genus, c'est genustradeunionstation.com. Je vais essayer d'y aller comme ça. Allez, je termine en beauté. Laissez-moi encore 2 petites secondes le temps de me connecter. Bah oui, parce qu'il y a des protections absolument partout et il faudrait avoir effectivement ces protections sous la main de façon à sans arrêt prendre le... Voilà, avoir sa Genus. Bah, la Genus, c'est quand même le système bancaire. Au moins, c'est réglé. La Genus, la voilà. Tiens, regarde, elle tourne. Tiens, on peut voir mon écran ou pas là-haut? Tiens, regarde. La voilà, la Genus. Elle tourne. Elle est là. Elle est là, la Genus. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses dessus. Donc, pour le moment, hop là, je vire parce que j'ai déjà déclaré mes gains, ça n'a aucun intérêt. Pour le moment, effectivement, on va aller chercher la Genus et on va aller chercher surtout, bien évidemment, les performances, non pas les miennes, parce que la plupart d'entre vous, vous vous foutez complètement de mes perfs. Ici, c'est parce qu'ils les intéressent. Ce qu'ils veulent, c'est gagner. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et on va aller regarder les statistiques. Pour aller chercher les statistiques, c'est le burger menu, les statistiques. Et ce qui intéresse la Genus, c'est les résultats, bien évidemment, de ceux qui opèrent avec la Genus. Aujourd'hui, on a fait 35 opérations. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup. Bon.
Chaque opération, c'est à peu près une heure. Bah oui, parce que ça a mis du temps à décoller. On a fait l'Open européen et puis après, plus rien. On a, j'en tous, attendu l'Open américain. Puis après, on a commencé à bouger. La plupart des abonnés de Genius restent 2h32 devant l'écran. Après, ils s'en vont. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et enfin, on a fait 7h25 d'émission jusqu'à présent. La TV Formonnaise, qui fait l'exclusivité d'ailleurs de la Genius, puisque toutes les opérations qu'on envoie à travers l'intelligence artificielle de la Genius sont détaillées et prises en direct avec vous. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Là, la Genius, véritablement, vous montre en live tous les trades. Comme ça, au moins, c'est réglé. 80% des abonnés déclarent réaliser plus de 30 points par jour. Alors, pour que tu réalises 30 points par jour, si tu es à 20 balles le point, tu prends un ticket de 600. Combien tu as pris, Hervé, tout à l'heure? Tu n'as pas su le micro, tiens. Premier trade. Premier trade, Hervé, combien tu as pris à l'Open? 500. Tu veux le dire plus fort? 500 dollars. Après, on va me dire oui, Magouch. On peut le voir, Hervé, avec la PTZ, s'il vous plaît. Parce que là, on va encore me dire que j'ai, moi, passé une voix nana. Est-ce qu'on l'entend bien, Hervé? Hervé, tu veux parler? Oui, oui. Ça. Tu prends le micro, tu fais ça, tu fais. Oh, 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 oh. Voilà. Il a pris 500 dollars, Hervé, tout à l'heure. Bien? Ah, super. Génial, absolument génial. Une opération, comme ça, c'est réglé. Il marche, les micros, c'est bon, Mariana? Vous l'entendez bien? Arrêtez de me faire de la pub, s'il vous plaît, Jebul. Arrêtez, arrêtez. C'est des mecs qui valent pas, c'est des brokers qui valent pas de tripette. Arrêtez vos bêtises. Est-ce que c'est bon au niveau micro, Mariana? 1, 2, 3. Voilà, génial, c'est dit. Merci Hervé. Tu reparleras tout à l'heure si tu veux pas bien. Pas de problème. Ah, il est super gentil, je sais qu'il parlera tout à l'heure. Alors, les stats Genius, c'est 80% des abonnés qui réalisent plus 30 points. Ça, c'est la première. La seconde, on a effectivement 20% qui déclarent avoir été absents. En fait, on a un paquet de gagnants aujourd'hui. Un paquet de gagnants aujourd'hui. Les résultats de la Genius Station, le Forex, les stocks, les futurs, les indices, les crypto-monnaies, les currencies. On voit très bien que c'est les futurs qui ont bien marché aujourd'hui. Les currencies, pas mal. Le Forex avec Hugo, bien sûr, et les autres, ça a bien marché. Et les crypto-monnaies. Petit clin d'œil à une plateforme qui s'appelle Binance. On va intégrer Binance dans la Genius. Ça veut dire que, je te l'ai déjà montré, on a un système de bracket order qu'on est en train de finaliser. Tu pourras cliquer sur l'alerte qui te convient. Tu auras le pré-remplissage de ton bracket order. Tu cliques, boum. Allez. Ou tu cliques même pas, tu lui dis vas-y. Et boum, ça tombe. C'est ça l'objectif de la Genius, du quasi-automatique ou du full automatique. Comme ça, au moins, c'est réglé. Le détail des opérations, bien évidemment, des opérations gagnantes, on en a fait 19. Pour ce qui est des invalidés, on en a eu 14, quasiment la même chose. Ça se correspond en tout cas très bien. Une opération invalidée, c'est une opération qui n'a plus de quasi-certitude et qu'on dégage. Si vous voulez vérifier tout ce qu'on a fait, c'est en dessous, track record. Comme ça, au moins, c'est réglé. Le track record est accessible à tout le monde. Inscrivez-vous sur geniustradeunionstation.com et vous recevez tous les vendredis les statistiques des abonnés. Pas les miennes, on s'en tape. On n'en a rien à foutre, ça, c'est clair. Au mois, on a débuté le mois, on en est à 776 opérations. 68,75 déclarent effectivement avoir gagné avec la Genius, ça, c'est clair. Il y a 3,13% qui déclarent perdant. Je suis obligé de le dire parce qu'on va encore… Voilà, voilà. Film cinéma, voilà, tu vois. Film cinéma. Au lieu de t'appeler film cinéma, passe-nous un petit coup de fil, on te voit, tu viens, tu discutes, tu nous traites de charlatan sur place, on te fait des opérations sur place, au moins c'est réglé. Viens au lieu de te cacher, merde, à la fin. On est en live tout le temps. Viens. Je soupçonne de film cinéma. Voilà. Je soupçonne film cinéma, je pense que je le connais. Je pense que c'est quelqu'un, je vais vous en parler tout à l'heure. Je pense que c'est lui. Sincèrement, je pense que c'est lui. On va en parler tout à l'heure, tu vas voir. Alors, les stats, c'est fait. On revient effectivement à ce que j'ai à vous dire. Alors, les nouveautés de Genius, tiens, on se fait un petit coup de nouveauté. On peut revoir mon écran ou pas? Tiens, regarde, je te montre les nouveautés Genius. Bravo, Spiner, absolument bravo, c'est très bien. Alors, on regarde. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, ce n'est pas très gênant. On continue. Jebul, tu me l'enlèves, c'est trop tard. Ça fait le deuxième avertissement, c'est fini. Allez, hop, dégagez. Je t'ai dit, fais pas de pub. Ce n'est pas des gens qu'on recommande, bien évidemment. Donc, ne fais pas de pub. Tu l'as compris, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, bah oui, ils font de la pub, ils n'ont encore rien capté, les gars. On ne fait pas de pub, surtout pour des mecs pareils, je veux dire, c'est n'importe quoi. Ça vaut cacahuète, quoi, ça ne va rien. Alors, je vous montre. La Genius, est-ce qu'on peut voir mon écran, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut voir mon écran, s'il vous plaît, pour favor, là-haut? C'est possible ou pas? Est-ce qu'on peut me faire un petit pouce vers le haut, vers le bas? C'est réglé. Déjà, tu as compris que cette Genius, elle te trouve, en fait,
les meilleures stratégies tout de suite, elle va te les donner, elle te met start, stop, target sur le graphique, sur un vrai graphique, attention, hein, ce n'est pas un truc dans une frame sur un site internet. Tu l'as bien compris, pré-remplissage à droite, passage d'ordre, boum, c'est réglé, c'est impressionnant. Mais il y a deux widgets qui sont dans la Genius qui ont bluffé Hervé et son fiston qui est venu avec lui. Quand je leur montre d'abord Asset Opportunity, bah, d'abord le widget Asset Opportunity, il est capable de te dire sur quelle famille d'assets il faut aller. Ça veut dire que déjà, il va te dire que sur les futurs, c'est là où il y a le maximum de possibilités. Sur le Forex aussi, mais tu peux cliquer déjà sur futurs et tu sais à l'intérieur des futurs quels sont les futurs qui vont t'offrir le maximum d'opportunités. Là, c'est le YM, le dos. Il n'a pas été cool avec nous, le dos. Non. Non, il a été dégueulasse, on n'a pas pu le traiter, mais en tout cas, ça reste clairement. Regarde, à gauche, tu as ici l'excess power. Pour ceux qui connaissent ou pas la méthode des excès de prix, la Genius, elle te les trouve tout seul. Elle te dit exactement, l'USDCAD, tu as un gros excès, le YM, tu as un moyen excès, l'OI, tu as un petit excès, le NQ, un petit excès, Amazon, un petit excès, et ainsi de suite. Elle te donne tout, tu vois, tu as tout ici. Tu vois, t'as tout. Et puis, un clin d'œil aux professionnels avec le FDR, bien sûr. On viendra vous expliquer tout ça. On va vous faire toute une série de vidéos pour vous expliquer comment utiliser la Genius. Tiens, on peut revenir sur moi, s'il te plaît. Tiens, allez. On revient sur moi là-haut, Mariana. Je vous montre un truc, regarde. Je vous montre un truc. Regardez ça. Ça, c'est tout nouveau. Ça, il y a dedans, allez, il doit y avoir 250 pages, le mode d'emploi de la Genius en format relié. Eh bien, ça, on va faire un truc. Tiens, on va faire un truc à tous les gens qui s'inscrivent à la Genius ce soir, hein, maintenant, pendant l'émission. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, ou genius-station.com. Tu t'inscris maintenant, pendant l'émission. Ça, c'est cadeau. D'accord ? Valeur, 99 €. Ça, c'est cadeau. Hein, le mode d'emploi de la Genius, trois langues, tu l'as là-dedans. Ça, c'est cadeau. Bien sûr que tu as besoin d'un mode d'emploi, évidemment. Quand tu achètes une voiture, le mode d'emploi, tu le feuillettes, puisqu'après, c'est naturel. Mais la Genius est tellement complète et tellement riche de tout qu'un mode d'emploi, ça fait du bien, n'est-ce pas ? Carrément. Tiens, passe le micro à Edouard. On peut voir Edouard. Edouard, il m'a dit le manuel top. Parle bien dans le micro, Edouard. Ça va, Edouard ? Oui, ça va super. Ça se passe bien ? Super. Combien de trades perdants aujourd'hui ? Juste 1 sur 6. Tu sors. Tu es le maillon faible. Combien de trades t'as fait ? 6. En réel ? Ouais. Déconne pas, hein ? Non. En réel ? Ouais. Allez, ça marche. Pour tous les mythos qui sont dans le chat, attendez, on va parler de vous. Vous allez voir dans quelques instants. 6 émissions, en tout cas, là-dessus. Sarah, si tu n'es pas contente, tu vas voir ailleurs. Il y a encore une fois Angélique, Ange Gardien, je ne sais pas quoi. Tu vas ailleurs. Attends, le trading, ça arrive, Sarah. Ça arrive, Sarah, ça arrive. Tu crois que tu vis d'amour et d'eau fraîche, toi, Sarah ? Tu crois que nous, on va vivre d'amour et d'eau fraîche, Sarah ? Tu sais combien ça coûte un développement d'une machine comme celle-ci ? Eh, Sarah, s'il te plaît, va voir ailleurs. Il y a du monde ailleurs. Il y a des haters ce soir. Il y a, voilà, va regarder sur TF1, Sarah. Tiens, elle s'en va, Sarah, elle me saoule, tiens. Tiens, elle me saoule. Ah ouais, elle me saoule, Sarah. Tiens, allez, dégage. Allez, dégage. Voilà, dégage, Sarah. Salut, Sarah. Allez, on continue. Les nouveautés de Genius, je vous les ai montrées. Ouais, elle me saoule. Elle me gonfle, ouais, elle me gonfle. Ça doit encore être une grosse nana bien chiante du coin. Voilà, dégagez. Comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, on continue. Bien sûr qu'on va parler trading, vous le savez. C'est évident. Ah ouais, ouais, Gulli. Bien sûr, Gulli, Gulli, Sarah. Mais je ne suis pas sûr qu'elle comprenne tout le dessin animé. Il va falloir les sous-titres ou en tout cas des petites images. Ça, c'est clair. Arrêtez avec votre son, les loulous. Arrêtez avec votre son. Allez, on continue. En tout cas, on va parler aussi d'autre chose. Vous êtes en train de regarder l'émission. Et avant de démarrer, bien sûr, les sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent tous, je vais vous offrir une deuxième offre spéciale. Abonnez-vous. Genius-Station.com. Genius-Station.com. Vous avez le manuel de la Genius relié offert qui vous arrive par la boîte aux lettres. Et surtout, je vous offre 1x2. Comment 1x2 ? Tu t'abonnes une semaine, t'en reçois 2. Tu t'abonnes un mois, t'en reçois 2. Tu t'abonnes 2 trimestres, un trimestre, t'en reçois 2. Tu t'abonnes un semestre, t'en reçois 2. Tu t'abonnes un an, t'en reçois 2. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Ah ben... Uniquement pendant l'émission. Hein. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Et en tout cas, genius-station.com. Doublement de votre abonnement. Ça, c'est moi, c'est cadeau personnel. Allez, tu sais pourquoi ? Parce qu'on a fait du blé cet après-midi. Ah, c'est clair. On a fait du blé cet après-midi. On a fait de la fraîche. On a fait quoi ? On a fait de l'oseille. On a fait de l'artiche. Du flouze. Du flouze. On a fait de l'oseille sur le marché cet après-midi. Alors, c'est cadeau. Tiens, allez, doublement de ton abonnement. Tu t'abonnes, je te le double. Fais pas la gueule, Hervé. Ah, Hervé, il fait la gueule maintenant. Bah oui, parce qu'il est investi maintenant dans la Genius. Donc lui, dès que je vais commencer à lâcher ça, tu vois, il va m'envoyer des yeux avec des éclairs dedans. Tu vois le machin ?
Ça va être ça un petit peu. Allez, Manuel offert, doublement en tout cas de l'abonnement. Mariana qui vous enverra les petites bannières en haut, ça fait du bien. On va parler aussi des prochaines émissions. Elle n'est pas là, Sarah ? Non, elle me manque, Sarah. Allez, on ne déconne pas. Les prochaines émissions, d'abord le 15 octobre. Le 15 octobre, on va vous offrir. Écoutez, c'est cadeau, hein, ce n'est pas Téléachat, c'est Donne-moi un chat. C'est pas pareil, c'est un vrai Téléthon, le machin. Le 15 octobre, on vous offre une émission à 20h avec un des plus grands spécialistes de cette activité du carbon trading. Vous n'y connaissez rien. Qui connaît un peu, tu es un expert, regarde l'émission Carbon Trading. On parlera en tout cas des stratégies sur le carbone et on parlera de ce métier de carbon trading. Le 29 octobre, Mariana ne m'a pas envoyé les petites les next. Tu les as envoyées ? Elle va me jeter des verres d'eau, Mariana, si je continue. 29 octobre, l'hyper court terme dans la gestion de portefeuille. L'hyper court terme dans la gestion de patrimoine. L'hyper court terme, ça c'est pour toi ou même pour les professionnels, gestionnaires de patrimoine, gestion de fortune, asset manager, hedger. Tu viens et on t'explique comment mettre de l'hyper court terme dans la gestion de patrimoine. Le légal, ben c'est obligatoire si tu es français, si tu es étranger. Et comment on va faire inside pour ce genre de choses? Au moins, c'est réglé. On va regarder aussi le 12 novembre. Le 12 novembre. Marque le 12 novembre. On va te parler du métier de trader énergie. Énergie trader. Énergie trader. Si tu cherches à devenir trader, on t'envoie sur les filières là où ça paye le plus. Énergie trader. Au moins, c'est réglé. Papa des baillots, il faut se calmer. Hein? Internet marche bien ce soir. On se calme, on se calme. On ne jette pas des claquettes. Le 22 novembre, Forex Stratégie Pro. J'espère que vous avez tout noté. Mariana viendra vous donner tout ça, bien sûr, au fur et à mesure. Ça, c'est cadeau, on vous l'offre. Tout est en clair. Tout ce que je viens de vous dire, ça sera en clair. Allez, dans l'actualité de la semaine. Est-ce qu'on peut voir l'image de Captain of America? Captain America. Vous l'avez suivi comme moi. Il revient du plus bas de la terre. Il ressurgit avec son bouclier. Non, ce n'est pas lui qui a le marteau. C'est comment il s'appelle? Thor. Thor. Ça n'a rien à voir. Captain America a le bouclier. Moi, je l'aime bien. Il a la classe, Captain America. Il a la classe, Captain America. Regarde. Tiens, elle nous fait une toute petite photo. Pourquoi on ne le voit pas full size, Captain America? Je veux voir mon Captain America. Il est beau. Ah, il est beau, Captain America. Oh, c'est... Il est beau, il est fort et il t'a déchiré. Alors lui, t'as fait l'histoire comme jamais. Écoute bien, écoute bien. Rappel de l'histoire. D'abord, il faut savoir que Donald Trump défonce le Covid. Tu vois, ça commence bien. Il y a un épisode, ça suffit. Il te défonce le Covid. Lui, il te l'a défoncé, one shot. Le 2 octobre dernier, il y a quelques jours, Donald Trump annonce sur Twitter qu'il a contracté le Covid-19. Sa femme aussi, ça prouve au moins une chose, c'est qu'ils s'embrassent et qu'ils sont assez près l'un de l'autre. La responsable, sa collaboratrice. Hop, tix. Ah bah elle va pas être bien, elle. Hein. Elle a ramené le Covid à la Maison Blanche. Au moins, ça craint. Alors, il finit son tweet avec « T'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Hein ? Ça va. Alors nous, on flippe comme des bêtes. On le regarde et on se dit, merde, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le lendemain, il va à l'hôpital. Ah bah lui, il prend pas l'ambulance comme toi. Lui, il prend le truc qui tourne, hein, le louche-copterche. Lui, il va directement à l'hôpital avec son hélicoptère, bien évidemment, Marine One. Et il se retrouve et, en tout cas, on lui fait les analyses et on montre, bien évidemment, qu'il a des signes de faiblesse d'oxygène dans le sang. Mais lui, il a dû attraper les médecins en disant « Écoute-moi bien, moi, je le nique, moi, l'oxygène. Je te le nique, moi, l'oxygène. J'en ai rien à foutre, ton oxygène. » Bref, ça va bien. Mais en tout cas, chez nous, c'est le drame. Ah bah ici, c'est le drame. On sort les Kleenex, on sort les mouchoirs, tout le monde chiale. Le lundi suivant, les marchés perdent entre 300 et 600 points. Bref, c'est énorme. Tu vois la catastrophe un petit peu. Attends, c'est pas fini. Et je te jure que c'est vrai. Aux États-Unis, on invoque le 25e amendement. Vous savez de quoi je veux parler? Le 25e amendement. 25e amendement qui dit que si le président n'est plus en mesure d'assurer sa fonction, c'est le vice-président qui assure l'intérêt. Ah oui. Putain, alors, moi, je suis passé livide. Hein, j'ai perdu 2 kilos d'eau, là, 2 litres d'eau. Hein, 2 kilos en même temps, 1 litre égale 1 kilo, on ne va pas refaire l'histoire. Bref, je perds 2 litres d'eau d'un coup. Ah, 25e amendement quand même. C'est quand même énorme. Mais en tout cas, ce qui nous taraude, tu le sais, toi et moi, on le sait, et c'est là, à partir de là qu'on va parler trading, c'est véritablement l'élection américaine.
L'élection américaine, c'est flippant, parce que si tu as un prétendant qui ne peut pas aller faire du débat parce qu'ils ne veulent plus se parler, hein, Biden et Trump, ils ne se parlent plus. Hein, la Floride, le Texas, terminé. Il n'y a plus de débat, de terminé. On n'en veut plus, ça c'est clair. Ça me fait bizarre, tiens, je vous montre. Je suis en train de me regarder sur mon, sur mon Samsung. C'est ce que j'adore sur l'app mobile ? Non, dites-moi. Le mode radio. Le mode radio ? Ah ouais, bah. Tu peux tout éteindre quand tu as encore la TV for money. C'est clair, c'est pratique. Ah, c'est top. Alors, lui, en tout cas, il dit, bah non, moi, ça a l'air d'aller, alors on n'entend pas grand-chose quand même. Et puis, tout d'un coup, on se dit, l'élection va être reportée. Ou alors, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Mickey, Pluto, Donald, non, il ne peut pas, il est malade. Mais Daisy, on ne sait pas. Alors, bref, peu importe. En tout cas, ça ne se passe pas bien. Le problème aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas une loi unique. Vous le savez, il n'y a pas une loi. Donc, si jamais tu veux faire un transfert d'élection, un report, un machin, un truc, un bidule, il y a autant de lois que d'États. Donc, c'est la merde. Ah. Et on commence à se dire que les marchés ne vont pas aimer, absolument pas. 9 octobre, soit 6 jours après, 6-7 jours. Donald met son bouclier, son armure, il retourne à la Maison-Blanche, en hélicoptère. Je me demande même si ce n'est pas lui qui a piloté Barry White. Moi, je pense qu'il pilotait d'un côté, il devait passer un coup de fil de l'autre. Tu vois le truc ? Le mec, il devait être avec le coude sur le truc. Et le truc arrive. Alors, je t'explique, hôpital, Maison-Blanche, tu as 3 minutes de vol. Hein. Hop, il atterrit. Il sort sur la pelouse de devant la Maison-Blanche. T'entends véritablement, mais là, ce n'est pas de la musique de mariage. C'est un couronnement, le mec. C'est un musique. Mais vraiment, je te jure que c'est comme ça. T'entends la musique de couronnement. Vous l'avez vu sûrement sur Internet et compagnie. C'est le couronnement de Trump. Il rentre dans la Maison Blanche. Alors, il a toujours son masque et son bouclier. Il rentre. Il va sur le balcon. Il enlève son masque. Mais comme ça. Hein. T'as compris ? C'est un peu comme la pub Coca-Cola Light quand le mec, il enlève son t-shirt. Enfin bref. Il arrive sur le truc. Il enlève son masque et il dit, écoute-moi bien. Fuck Covid. Fuck Covid. En tout cas, bien sûr, il n'a pas dit ça. Mais il a dit aux Américains, ne craignez pas ce machin. Moi, je l'ai désingué. Moi, 5 jours, paf, je lui ai mis dans la gueule. Alors, évidemment, c'est surprenant. Évidemment, c'est surprenant. Mais lui, en tout cas, te dit, je vous embrasse tous. Ça a une connotation à double effet qui se coule. Le premier, je vous embrasse, c'est une marque de politesse. La seconde, bien évidemment, c'est l'acte numéro un. Au premier degré, je vous embrasse en enlevant son masque. Il n'en a plus rien à taper, ça, c'est clair. Je vais quand même lancer un avis de recherche, au reward. Où est sa femme ? Où elle est, sa femme ? Hervé, sa femme, t'as des nouvelles ou pas ? Putain, les gars, elle est où, sa femme ? On n'a pas vu sa femme. Sa femme, on ne sait pas où elle est. Alors elle, à mon avis, le Covid, je ne sais pas, il s'est passé un truc. Je ne veux pas, moi non plus, remettre le caca, mais a priori. Alors, Donald Trump, c'est les talons, hein. Ah bah, la semence de Donald Trump te guérit 48 heures chrono, mieux que de la redoute. Hein. Là, t'es clair. Alors aujourd'hui, tous les tests sur Trump, ça date d'aujourd'hui. Hein. Trump, tous les tests sont négatifs. C'est-à-dire que le mec, en 7 jours, 8 jours, il t'a tout dégagé. Hein. Ah lui, à l'eau de Javel, hein, on le sent. Hein. Hop, dégage. Rien. Walou, nada, nunca. Terminé. Au moins, c'est réglé. Alors, Trump, en tout cas, est guéri après 7 jours. Vite, vite, Trump, je t'aime. Fais-moi une transfusion sanguine, s'il te plaît. Pour toi, je suis prêt à tout. Mettez-moi du sang de Trump dans les veines. Que je sois, moi, immunisé contre ce Covid de merde qui risque, encore une fois, de bien nous emmerder. Je vous garantis qu'on n'est pas au bout. Voilà. La fin de l'histoire, c'est qu'il a, lui, pris un traitement, le Régénéron. Alors, rien que le nom, c'est du marketing pur, Régénéron. Hein, avec, on le sait, régénérer. Régénéron. Alors, autant te dire, bien sûr, que le laboratoire a explosé, c'est évident. En tout cas, tout a explosé. Tout ? Ah ouais, tout. Parce que les gars qui sont sur les marchés comme moi, ce matin, ont compris qu'il y avait un problème. Bah, quand tu regardes ce qu'a fait Johnson & Johnson, laboratoire pharmaceutique, s'il en est, aux États-Unis, ils arrêtent tout. Ah bah eux, ils coupent tout. Apparemment, il y aura un patient qui serait tombé malade, qui était sain au départ, et avec le vaccin, il serait tombé malade. Ça veut dire quoi ? Que comme disait le président Chirac, ça va faire pchit. Assez étonnant. En France, on n'y croit pas. En France, on n'y croit pas. Bien joué, GTR. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Nord ? Pendant que Trump était guéri du Covid, bah, Kim Jong-un pleure. C'est vrai, il pleure. C'est pas au second degré, c'est au premier degré. Il pleure et il a expliqué qu'en fait, il n'avait pas la capacité de diriger son pays.
C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, il n'est pas là. Tout ça est vrai, hein. Tout ça... Alors, regarde, on a marché sur la lune. Allô, Houston. Ouais. Un grand pas pour l'homme, un petit pas pour l'humanité. Enfin, c'est l'inverse, mais c'est volontaire. Bref, enfin, en tout cas, tu as compris. Alors, aujourd'hui, on l'a compris, l'histoire de Trump va lui servir. N'attendez pas de moi que je vous dise que c'est du fake ou si c'est réel, j'en sais rien. J'ai arrêté mes relations avec Trump depuis qu'il est avec sa femme. Donc, au moins, on n'en parle plus. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il en est où? Il en est sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'il a réduit forcément sa distance avec Biden aux élections et forcément, on n'entend plus parler que de lui. Vous êtes, vous, en tout cas, chaud pour Trump. Je vais vous en parler. Alors, il y a toujours 10 points d'écart entre les deux. Mais attends. On t'a pas déjà fait le coup avec Clinton, sincèrement? On nous l'a déjà fait. Arrêtez vos conneries. Oui. Arrêtez, s'il vous plaît, clairement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais les gars, vous êtes devenus docteur et médecin, on n'a rien de temps. En tout cas, vous nous faites bien rire. Comme ça, au moins, c'est réglé. Allez, on continue. En tout cas, ils nous ont fait le coup avec Clinton, laisse tomber. Bien sûr, les sondages, c'est du fake. En tout cas, pour vous, c'est au moins deux fois plus de chances pour Trump de gagner que Biden. Pour vous, les Européens, pour vous, les Canadiens, les francophones, ce que vous voulez. En tout cas, Trump gagne largement devant Biden. C'est des tests qu'on a faits. Et en tout cas, il a gagné. Encore une belle histoire américaine qui affole les marchés. Regarde ton Dow Jones. Le Dow Jones s'affole. Le Dow Jones, on l'attend à 30 000. I repeat. Hello Houston, oui. De là-haut, je vois le Dow à 30 000. Alors évidemment, il va s'en rapprocher. Il ne faut pas qu'il aille trop vite parce qu'il faut quand même tenir jusqu'au 3 novembre, quand même, un minimum, ça c'est clair. S'il tient jusqu'au 3 novembre, le jour d'avant, il va aller pointer le bout de son nez à 30 000, bien évidemment. Et attention à ce qu'il va faire juste après. Il y a déjà 10 millions d'Américains qui ont voté par correspondance. 10 millions d'Américains qui ont voté par correspondance. Vous savez que les élections américaines, c'est différent des élections européennes, et en particulier françaises. Pour vous mettre un petit peu un étalon d'écart, 2016, c'était 1 million. 1 million de votes par correspondance. Maintenant, c'est 10 millions. 4 ans après, 10 millions. Trump, en tout cas, s'il perd, contestera les votes par correspondance. Et forcément, il l'a dit, il ne quittera pas la Maison Blanche. En tout cas, tout va bien. Mais oui, Paul, tu es au bon endroit. Nous, ça fait des mois et des mois. Rien s'écroule. Par contre, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer une stratégie en disant tout descend. Il faut l'apprendre, cette stratégie. Oui, il faut la... Alors, arbitrer. Quand Netflix perd 4%, tout le monde crie au scandale. Quand Netflix perd 4%, nous, on dit, chouette, on va pouvoir enfin acheter. Au moins, c'est réglé. J'ai vu plein d'histoires cette semaine, pour accélérer un petit peu. J'ai vu un site web qui copie la Genius avec de l'intelligence artificielle. Alors, l'artificiel, ils l'ont, l'intelligence, c'est pas où vous allez la chercher. Et des alertes de trading. Alors, les alertes, ils avaient pompé Trader Alert il y a déjà quelques années, mais là, franchement, c'est à mourir de rire, car c'est une frame trading view, insérée sur une page web avec un mec qui te raconte une salade. Intelligence artificielle, tu vas bien? L'autre répond, ouais, Roger, moi, je vais bien. Mais il faut arrêter les conneries, les gars. L'intelligence artificielle, ce n'est pas fait pour les moins de 12 ans, d'accord? Ce mec-là, au final, essaye de te vendre une plateforme avec un crédit x 6. C'est-à-dire que tu ne payes que des mensualités, en fait. Et ce qui est énorme, c'est qu'ils veulent faire croire qu'il y a des gens dans le chat qui expliquent qu'ils achètent leur plateforme en x 6 ou en x 3. Le trading, c'est fait pour gagner. Le trading, ce n'est pas fait pour t'endetter. Ou si tu t'endettes, c'est parce que quelqu'un t'a confié du capital et que tu as effectivement pris de l'abonnement de Genius pour pouvoir gagner des ronds. Mais s'il te plaît, achète pas une plateforme en x 3, en x 6, en x 8, en x 12. Il faut arrêter les conneries. Alors, c'est à toi de tout faire. Hein. L'intelligence artificielle, elle te regarde, par contre. Et elle te met des baffes, un peu comme dans les sous-doués passent le bac. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir vu ce truc-là. Hein, ce n'est pas moi d'abord qui l'ai vu dans un premier temps. On est venu m'envoyer un mail. Hein, regarde, suis mon regard. Il m'a envoyé un mail. Il m'a dit, Luc, tu as 3 minutes parce qu'après, tu vomis. Non, j'ai dit, t'inquiète, j'ai du temps. Donc, il m'a envoyé l'email. J'ai regardé et forcément, derrière, on s'est marré. On s'est marré parce que je sais maintenant qui est le pire des haters contre moi. Oui, forcément, il pompe. Mais lui, il n'a rien compris. Moi, je suis très heureux qu'ils aient fait ça. Je vous invite même à continuer, à persévérer. C'est quand même dans la rue des chaussures, ou des chausseurs plutôt, qu'on vend le plus de chaussures. Continuez. Il faut des concurrents, bien évidemment. Il faut du concurrent. Non, je ne parle pas de lui. Non, mais lui, il n'existe plus. Et d'après ce que je sais, il a fait un peu de tôle, Paul.
Il a fait un peu de tôle. Ouais, d'après ce que je sais, il a fait un peu de tôle. En tout cas, bah oui, parce qu'il n'est pas blanc, le mec, t'as compris. Hein, il vendait des t-shirts, c'est mis au caleçon, mais Ralph Lauren n'a pas aimé. En tout cas, j'en sais rien. Bref, peu importe. En tout cas, ce que je veux dire, on a bien rigolé. On s'est bien marré parce que ce n'est pas de la concurrence, vous l'avez compris, mais ça permet véritablement de comparer. Hein. Au moins, tu compares. Hein, quand tu es dans la Genus et quand tu es chez Mickey Mouse à côté, bah, tu compares. Ils sont mis à 7 pour faire le travail de Luc. Il y a une photo, il y a 7 personnes. Alors, tu remarqueras, il y a des nanas, il y a tout. On te fait croire que c'est des clients, mais en fait, ça ne vaut rien. Je vous rappelle que pendant toute l'émission, il reste maintenant 20 minutes, je vous offre le doublement de votre abonnement si vous vous abonnez ce soir. Genus-Station.com, Genus-Station.com, si tu es un gros feignant. Moi, je suis un gros feignant, je n'ai pas peur de le dire. C'est pour ça qu'on est trader. On a le droit, c'est ça. Moi, je suis un gros feignant, mais je suis trader. Néanmoins, je me lève quand même à 6 heures. Ouais, moi, je vous propose un truc. Ça vous plairait si on faisait une petite vidéo? Je sais qu'elle va gueuler Mariana parce que c'est elle qui va tenir le broadcast. On se fait une vidéo un jour comme ça. Je suis dans la salle de sport, dans le gymnase, ici au studio. Et puis, on se fait une vidéo et puis on se regarde comme ça les actualités, on les commente. On pourrait faire ça. Ouais, c'est ça, on pousse un petit peu. On pousse de la fonte. Alors, celui qui vient de faire ça, je vais lui mettre 12 kilos. Il va se faire une crampe. Non, il est costaud, regarde, il a la chemise et tout. Il est costaud, le garçon. Bref, on fera ça. On fera ça, ouais, avec plaisir. Adorable, en tout cas, on l'adore. En tout cas, ici, on l'adore, croyez-moi. Et j'ai eu plein de compliments. En tout cas, sachez que les abonnés de la Genus ne sont pas dupes. Et forcément, on n'en a rien à foutre de tes x3, tes x6, tes x12, tes x45. On n'en a rien à taper. Hein. Tu gères ton crédit. Et puis, arrête de faire croire que les gens prennent ta truc. Enfin, bref, c'est merde, ras-le-bol, fais chier. Alors, autre chose, tiens. C'est clair, Léo est au top. En tout cas, voilà. Merci. Voilà. Il est en train de se taper sur le... Hey, c'est pas un combat de titans non plus. Ah. C'est pas un combat de titans non plus, ça, c'est clair. Alors, on va parler encore deux, trois petites choses. Attendez, c'est pas fini. Reste avec nous. Reste. T'as vu que je te mets plus de pub à l'intérieur de l'émission? Bah, regarde, c'est pour toi. Je t'en mets pas. Ça va peut-être revenir, mais pour l'instant, je t'en mets pas. Emmanuel Macron va parler. Je répète. Emmanuel Macron va parler. Obito, tu vas sur YouTube, tu tapes Luc Vaudant Trading Live et puis après, tu arrêtes de me saouler, d'accord? Parce que tous ces trucs-là, c'est chiant, t'as compris? J'ai montré pendant des années ce que j'avais gagné, ce que je gagnais en live, les montants en live, On est venu me faire chier en m'expliquant que ce n'était pas vrai. Il y a même des gens qui ont travaillé avec moi, qui ont monté leur business à côté, qui en plus me pourrissent maintenant, sauf qu'ils ont vu. Ah bah oui, au moins ils ont vu. Donc aujourd'hui, clairement, c'est vous que je veux faire gagner, point. Bah, Loulou, arrête. T'es chez moi, prends un siège et voilà. Moi, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que tu gagnes au bit haut. Hein, au bit haut ou zéro bit haut. L'important, c'est qu'il gagne. Ah bah oui. Regarde, 500 balles. Regarde, 45 balles ou 90 balles. Regarde, 90 balles. Regarde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que gagne Loulou aujourd'hui? Sincèrement, qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que je gagne moi? Ça va te changer la vie? Donc, on s'en tape. Puis sur moi, c'est réglé. Alors, Emmanuel Macron va parler, mais il ne va pas parler de moi, Emmanuel. Bah non, il ne parlera pas de moi, Emmanuel. Ah bah non. Bah non, il n'en a rien à foutre, Luc Vaudant. Même si il peut peut-être regarder de la pub de Nécho. Il va peut-être regarder. Alors, Emmanuel Macron va parler. Bah oui, ça commence à vous faire trembler. Emmanuel Macron devrait effectivement parler demain, venir avec la crème anti-irritation. Mais ça sent quand même le confinement. Hein. Ah, le truc, il va. Hein, ça va. On va le sentir un peu, le confinement, le reconfinement, le côté rouge, jaune, orange, violet, arc-en-ciel. Au moins, chaud. Au moins chaud, très, 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 très chaud. C'est super intéressant, Mieux Vivre. Ça fait combien d'argent placé sur un livret pour gagner à 500 $? C'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, tu veux passer le micro à Hervé, s'il te plaît? Je voudrais qu'Hervé dise avec quel capital il a gagné 500, parce que 500, à la limite, ça ne veut rien dire. Au moins, ça veut rien dire. C'est vrai, Hervé. On peut voir Hervé. Voilà, il est là, Hervé. Tiens, tourne-toi sur la caméra. Prends la caméra. Cours. Hervé, combien tu as de capital? 1500 dollars. 1500 dollars. Voilà, ouais. Le mec vient de prendre le tiers de son capital. Ouais. Avec, ah bah oui, avec un lot. Un lot. Machin. C'est juste absolument énorme. Au moins, c'est erré. Ah bah lui, il a trouvé Paul. Au moins. Moi, j'ai rien dit. Hein. Moi, j'ai rien dit. Mais non. Pourquoi vous me l'avez enlevé, bande de dingues? Mais non, il fait un témoignage, Paul. Voilà, laissons-le. Paul, il cite, attends, il a le droit. Hein? L'autre, il ne s'est pas gêné. Évidemment, il ne s'est pas gêné. Il y en a même un qui a été dire, tu te rends compte chez Luc, c'est 200 balles, t'as vu, machin? Hein? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu mets 200 balles, Hervé, il a plié son abonnement en la moitié de la journée. Il a payé, boum, 200 balles la semaine, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire?
au moins, c'est réglé. Alors, on va en parler du livret et on va parler de la nouvelle économie. Merci, Hervé. Et alors, c'est très drôle parce que quand il parle maintenant, il parle comme ça. T'as fait une connerie ou quoi? T'as fait une connerie. Il a une belle moto. Si vous êtes motard, il a une très belle moto. On en parlera plus tard. Il se filmera sur sa moto. Alors, ça sent le confinement quand même demain. Ah bah demain à 20h, le confinement. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le confinement? Faites gaffe quand même, parce que le confinement qui revient, nous, on est simples Européens. On ne vit pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont Donald. Nous, on a Emmanuel. Et nous, encore mieux, ici, on a Juan. Donc, hein? C'est ça, Mariana? Tu connais le prénom du président du conseil de la Catalogne? Allez, fais-nous un peu de recherche, s'il te plaît, hein, au moins qu'on puisse effectivement voir qui c'est. Alors, le confinement, pourquoi? À cause de quoi? Tu crois que tu l'as pas, le Covid? Mais même si tu mets un masque, même si tu mets de l'alcool, même si tu bois de l'alcool, même à 90, ça brûle. Tu l'as, le virus. Attends, comment tu peux ne pas l'avoir? Comment tu peux ne pas l'avoir? Forcément, on l'a, le virus. Tu vois ce que je veux dire? Comme dirait l'autre, on est immunisé. Au moins, c'est réglé. Au moins, c'est réglé. Si tu veux passer tes pubs dans la Genius, tu nous appelles 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11. Non, je fais peur à personne. Juste, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de te dire pourquoi. Alors, une information un peu plus marrante. On peut voir Léo? On peut voir Léo? S'il te plaît. Tiens, regarde. Est-ce qu'on peut voir Léo? Il est là, Léo. Ça va, Léo? Ça va, on peut zoomer ou pas? Est-ce qu'on peut voir Luc et Léo? Ils sont dans un bateau. Léo tombe à l'eau. C'est bon ou pas? Est-ce qu'on peut zoomer là-haut? Là-haut, on est chaud, chaud de live. Léo, oui. Toi, ton kiff, c'est pas le forex. C'est la nouvelle. Attends! Oh, merde, alors, suspense! Il dit tout. Toi, ton kiff, c'est pas le forex. C'est pas le forex. Hein, t'avais compris ce que je voulais faire. Mais pourquoi il n'a pas compris? Toi, ton kiff, t'aimes bien les futurs. Tu les aimes bien, ça, t'aimes bien les futurs. Les futurs européens, les futurs américains, t'en parles tous les jours. Surtout les futurs américains. T'aimes bien les currencies. Les currencies, c'est pas mal, bien. Côté futur. 6B, ça paye. Hein. T'aimes à peu près les commodities, t'en parles pas beaucoup. Le pétrole. Le pétrole. WTI. WTI. Ah ben là, on est bien. Pétrole texan. Mais il y a un truc que tu kiffes grave. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il va apprendre au fur et à mesure, comme ça, il va faire son petit suspense et compagnie. Il y a un truc que tu adores. J'adore. Si tu me parles de la nana avec qui tu as de la colocation, ah non. Tu sors. Non, 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 non. Il y a un truc que tu adores. Comment elle s'appelle la copine de la colocation là? Elena. Buenas noches, Elena. Elle te regarde ou pas? Peut-être bien. Elle parle pas français. Pero es para este que yo hablo español con tuyo si quieres aprender español conmigo que habla español si quieres con un programa en español. Tout ça c'est traduit en espagnol. L'application est traduite en espagnol. On est en train de traduire tout anglais espagnol. C'est pour ça que les Américains ils font ça quand ils nous voient maintenant, hein, à Chicago, en Floride, tout ça, ils nous attendent. Ça c'est clair. C'est quoi qui te fait kiffer? La cryptocurrency. La crypto-monnaie. La cryptocurrency. Oui, désolé. Crypto-monnaie, ça fait franchouillard. Crypto-currency, ça fait mec qui pèse déjà. Ouais, c'est ça. Tu veux nous rappeler, s'il te plaît, les bases de la crypto? Alors lui, si jamais tu lui dis ça, t'en as jusqu'à 23h30, c'est on va essayer ça. De couper. C'est quoi la base, l'idée de base de la crypto-monnaie? Transparence, confiance et anonymat. Qu'est-ce que tu appelles? Ah voilà, transparence, anonymat. Je ne comprenais plus ce qu'il était en train de dire. Anonymat. Anonymat. Pouvoir faire des transactions sans pour autant être fliqué, traqué, emmerder, se faire chier avec une banque qui va te demander la taille de tes orteils pour pouvoir effectivement envoyer le truc. C'est ça, avec un registre qu'on peut consulter en plus. En plus. La crypto-monnaie. La crypto-monnaie. L'actualité du jour. L'actualité du jour, nous avons... Ni hao. Ni hao. D'accord. Bonjour en chinois. C'est parti en Chine. Ça y est. Oui. La crypto-monnaie en Chine. Oui, mais... Pas tout à fait. Pas ça, en fait. Ça fait peur quand même. C'est pas exactement une crypto-monnaie. Mais c'est pas du tout une crypto-monnaie. Parce que la base de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. C'est ça. Alors que là, en Chine, ils ont tout centralisé. C'est ça. Bah... C'est-à-dire que c'est une monnaie électronique. C'est une monnaie électronique. Mais c'est pas de la crypto. Bah, c'est centralisé. C'est de la merde.
Ben, c'est pour le crédit social, pour mieux pister les dépenses. Mais alors, attends, il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. Les banques centrales sont en train de s'approprier nos idées, vos idées. La crypto-monnaie, ça part de vous. C'est une monnaie sociale sur laquelle vous voulez être tranquille et ne pas être obligé d'aller rendre des comptes à quiconque. Les banques de retail, les banques centrales et ainsi de suite. Donc les Chinois, ils t'ont fait le yuan électronique. C'est ça. Comme la cigarette. Comme le Mais alors qu'est-ce qui change ? Alors ils n'ont plus de billets ? Ils ont plus de billets et ben, du coup ils peuvent tout surveiller. Ils ont pour but de détrôner l'euro, le dollar, toutes ces monnaies souveraines. Alors le yuan, ça c'est vachement important. Il y a un autre but aussi. Il y a deux buts en fait. Le yuan électronique est déjà officiel. Ah oui ? Ils ont même donné l'équivalent de 25 euros en yuan oui. aux gens de Shenzhen. C'est-à-dire qu'ils ont même filé de l'oseille aux gens en disant « Vas-y, allez, consomme avec l'électronique ». Ça a marché, hein ? Ah oui, ça a marché. Attends, j'ai des chiffres. Moi aussi. 3,13 millions de transactions. 1,1 milliard d'échanges. T'imagines le machin ? 140 millions d'euros d'échangés déjà. Incroyable. Moi, j'en suis à 1 milliard. Qui dit mieux ? Non, 1 milliard de yuan. De yuan ! Ça fait 140 millions d'euros. 1 milliard échangés. 40 millions d'euros. 140 millions. 140 millions d'euros. Qui dit mieux. C'est juste énorme. Qu'est-ce qui va arriver là dans cette histoire ? Parce que les Chinois attendaient que ça en fait. C'est ça, les Chinois ils attendent que ça par rapport à l'exportation. C'est ça la nouvelle route de la soie. La route de la soie, c'est-à-dire pouvoir échanger avec l'Europe oui, sans devoir rendre de compte à qui que ce c'est soit. Ça. Emmerder les Américains, Amérique, plus rien à foutre. Ah oui, clairement. On n'échange plus en dollars puisque les transactions chinoises se faisaient encore en dollars en Europe. Les Européens ne veulent pas le yuan, c'est un peu dommage parce que ça a quand même été une des monnaies les plus fortes au monde. Ils n'en voulaient pas. Donc maintenant, tu échanges en yuan électronique, tu ne fais plus appel au dollar, et forcément, pour le pétrole, tu n'échanges plus non plus en dollar. C'est ça. Alors ça va créer et pour quoi, le gold alors, aussi, peut-être pour, ça, je ne sais pas, parce que l'or, pourquoi pas. Il ne transige plus rien du tout en dollar. Tu l'as vérifié, ça ? Regardez le dollar. Ça va être dur pour le dollar. Très dur. Alors, les Européens ne sont pas en reste. Ah, les On Européens. Peut voir ma préférée en Europe, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir sa photo ? Est-ce qu'on peut voir sa photo ? Ma préférée en Europe. Est-ce qu'on peut la voir ? La vedette. La vedette, the star. La star. Hein ? C'est presque un Victoria's Secret. Tiens. Est-ce qu'on peut la voir ou pas là-haut ? Alors, elle va chercher dans les cartons, elle est en train de chercher là. Alors, photo 1, c'est pas ça. Photo 2, est-ce qu'on peut la voir là-haut ? Eh bien, elle est en panne, elle vient de caler. C'est Madame Lagarde. Madame Lagarde, elle a dit tout à l'heure que de toute façon, quoi qu'il arrivait, elle aussi, il y aurait l'euro électronique. Ah bah heureusement, sinon... Mais ça change quoi ? Ben ça change le fait que le yuan ne va pas détrôner ses monnaies. Il y a une étude qui a été menée selon 2025, si on ne parvient pas à créer... Mais moi je te parle de l'euro, nous ça va changer quoi ? L'euro, nous on veut bien l'euro électronique, mais on voulait un euro crypto. Mais oui, mais... La technologie de la crypto... Ah non, ils veulent tout contrôler, ça. Ah, mais ils ne pourront pas. Est-ce qu'on va tomber dans une concurrence, une libre concurrence entre la vraie crypto et l'électronique ? Parce qu'en fait, l'électronique, c'est quoi ? L'électronique, c'est juste le mode de paiement. C'est ça. Il n'y a plus de monnaie fiduciaire. Il n'y a plus de billets. Tout est dématérialisé, en fait. C'est centralisé. Mais ça reste centralisé. C'est ça. Donc, la BCE nous sort un euro électronique, bien évidemment. Mmh. Alors, l'euro électronique, on n'en veut pas. Enfin, moi, pour ma part. Mais il y a des stablecoins déjà, moi. Tout va bien avec les stablecoins. Les quoi ? Les crypto-monnaies stables, adossées au dollar. Alors lui, il te sort des mots. Ça existe vraiment ou c'est toi qui l'as trouvé ? Ah non, ça existe vraiment, les stablecoins. Alors lui, c'est le spécialiste de la. Depuis 2014. Le fou furieux de la crypto-monnaie, de la blockchain. Donc quand il te parle d'un truc, tu te demandes si c'est pas un titre de rap. Les stablecoins. Les stablecoins. Yeah. Des crypto-monnaies stables adossées aux monnaies fiduciaires. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça. On en parle dans crypto-monnaie. Crypto-monnaie, ah oui. C'est tous les jours. Tous les jours à 10h30 avec Léo. Tous les jours à 10h30. Une demi-heure de crypto pour effectivement prendre les stratégies et faire ce qu'il y a à faire. Alors, la crypto, ça arrive tout doucement. On va prendre une petite claque en tout cas parce que véritablement, il y a les monnaies électroniques des banques centrales. On verra si ça continue ou pas. En tout cas, méfiez-vous, l'euro. Ouais, l'euro électronique. L'euro. Les stablecoins. T'as trouvé des nouveaux modes de paiement ou pas ? Ben, j'ai trouvé des nouveaux modes de paiement du futur avec des objets connectés. Avec la rétine ou pas ? Est-ce qu'on va pouvoir payer comme ça ? Non, mais par reconnaissance faciale et par biométrie aussi. Mais si tu prends un coup de rasoir et que tu te coupes, il va te reconnaître ou pas le truc ? On peut voir les photos, là, les faire défiler, les nouveaux modes de paiement ? Est-ce qu'on peut voir tout ça ?
Il va falloir poser la question aux Chinois pour la reconnaissance faciale. C'est eux qui vont commencer. C'est eux qui vont commencer le système de paiement électronique. Regardons les faire. Moi, j'adorerais avoir un portefeuille qui soit sous-cutané et dans lequel tu payes, tu sais, tu t'approches, tu payes avec ça. C'est top, ça. Un peu dans Paycheck. C'est Paycheck, hein, où il y avait le film avec... où il y avait le tank qui décomptait et patati. C'est bien, ça. Ça serait absolument très, 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 très bien. Voilà le petit coup pour la crypto-monnaie. On peut voir, voilà, voilà, tiens, regarde. Oh putain, c'est les années quoi, ça? C'est les années 80, ça. C'est fini, la biométrie comme ça, Léo. On va pas revenir là-dessus, quand même. Il pèse 3 tonnes, ton machin. Ouais. On en est là, déjà. La carte bancaire, elle est dans le téléphone. Dans le téléphone. Il y en a d'autres, de toute façon, il y a plein de choses qui arrivent. C'est quoi le mode de paiement le plus trippant pour toi? Celui qui est vraiment génial. Qu'est-ce que t'aimerais, toi? Une puce dans la tête. Tu sais que mon chat, il ouvre sa porte avec sa puce qu'il a dans l'oreille. Sérieux? Ma parole. Il arrive sur la porte, là, il passe, mais du, et hop, ça ouvre la porte. Tu sais que quand il s'approche de sa gamelle, la gamelle est enfermée, il passe sa tête, la gamelle s'ouvre et il mange. Excellent. Et toi, t'es en train de nous parler d'un truc biométrique à la, avec un doigt. Oh, même mon chat, il est connecté, oh. Allez, on reparlera de tout ça en tout cas à venir. Merci beaucoup Léo. Merci Luc, avec plaisir. Et puis on reparlera de tout ça, bien sûr. Ce système va leur échapper. La crypto va leur échapper. Quel moyen de paiement du futur, on les a vus. En tout cas, pour finir, ras le bol de ces brokers avec leurs pubs absolument partout. J'aimerais que vous soyez attentifs, surtout si vous débutez. Forcément, soyez attentifs. Vous l'avez vu comme moi. On en a ras le bol de leur pub avec action, frais de transaction, zéro. C'est du pipeau. La pub mensongère, zut, à la fin, il y en a ras-le-bol. Qu'est-ce que fait l'AMF? La pub mensongère, c'est quoi? On te dit, t'achètes avec 0 euro de frais tes actions, sauf que t'achètes jamais une action. T'achètes un CFD, un contrat for difference. Tu la sens, la crème épilatoire? Elle est là, la crème épilatoire. En l'occurrence, on t'explique qu'effectivement, tu payes zéro de frais, mais tu vas te trouver avec un broker en face de toi qui va jouer le rôle de contrepartie. Tu n'iras jamais sur le marché. Je te rappelle que l'action est un titre de propriété et que véritablement, ça n'est pas un CFD. Je lance un appel solennel. Si vous êtes journaliste d'investigation, je suis prêt à vous rémunérer pour réaliser une enquête sur 2 brokers. Je voudrais sincèrement qu'on mette à jour et au grand jour leurs pratiques dégueulasses. Je cherche un journaliste d'investigation, je lui donne toutes les pistes là où il doit aller chercher, les thèmes qu'il devra trouver. Je vous garantis que j'en ai ras-le-bol de ces gens. Ils me gonflent, ils vous ont dépouillé, maintenant ils vous cachent, ils ne vous disent pas que c'est véritablement des CFD et ils vous défoncent. L'action est un titre de propriété, l'action rémunère sur 2 aspects. Le dividende, alors évidemment, si c'est un CFD, jamais tu toucheras de dividende. Hein. Ah ben non. On est bien d'accord. CFD, tu toucheras jamais de dividende. Deuxième chose, en tout cas, sur le spread, bien évidemment, sur le prix, tu l'achètes bas, tu la revends haut, ne cherche pas à vendre à découvert. Dans ce cas-là, tu serais dans l'option de l'action et pas sur le spot initial. Tu l'as compris. Luc, tu parles à peu près chinois, bah, tu peux retrouver les livres, hein. Ce n'est pas compliqué. Si tu ne sais pas ce dont je parle, tu as tous les livres. Hein. Elle est où, Sarah? Normalement, elle vient, elle met un décolleté profond et elle fait... T'as vu le truc? Voilà, le premier, le lexique du trading, disponible sur le site geniusstation.com ou au 09 80 08 20 11. Ici, les excès de prix, hein, 400 pages de techniques et de stratégies. Ici, vous avez les figures du trading, excellent livre avec des stratégies. Tout ça, c'est bordé de stratégies. Tiens, tu veux donner le micro à... Tiens, donne-le à Hervé le micro, il va en parler. Celui qui arrive... En début d'année prochaine, fin d'année 2020, début 2021, investir avec la quasi-certitude. Tu trouves ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ça va, Hervé? C'est lequel tu préfères? Tous. Tu les adores? Je les ai tous lus. Ouais. Tous lus. Alors, vu son emploi du temps, s'il dit qu'il les a tous lus, c'est que véritablement ça lui plaît. Parce que si ça ne lui plaisait pas, tu ne les aurais pas lus. Non. Évidemment. Ils sont là, les livres. Ils sont là. Tu peux les commander directement. Et comme tu dis que tu viens de ma part, tu appelles Charlotte 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11, t'arrives, tu crânes direct. Tu dis, voilà, moi, je viens de la part de Luc. Et alors? Et tu lui dis, je veux les frais de port gratuits. C'est lui qui les paye parce qu'il a fait de l'oseille sur le marché aujourd'hui. Il paye les frais de port et je te les offre. Je te les offre encore, allez, 3 heures après la fin de l'émission. 3 heures jusqu'à minuit. Au moins, c'est réglé. Plus bas, les livres, 2 minutes, ça veut dire quoi, 2 minutes auto? Il pèse, je ne sais pas. On attend, bien sûr. Vous pouvez envoyer vos témoignages à info@geniusstation.com. C'est quand même énorme.
qu'ils se battent pour m'envoyer des témoignages contre moi. C'est quand même énorme. C'est moi qui suis en live tous les jours, dans la télé, qui explique les choses, qui montre les stratégies et qui maintenant a réalisé la première plateforme de décision boursière avec l'intelligence artificielle Inside, le Deep Machine et le Machine Learning. Et on vient me faire chier. C'est quand même énorme. Luc, tu acceptes les témoignages dans sa... Ah ouais, bah oui. Ah bah Nicolas, là, là c'est moi qui te paye l'avion. Hein. Là, là, l'avion, tu viens. On démonte le business des brokers CFD. Tremblez, brokers CFD. Tremblez, tremblez. Je vous jure, tremblez. Quand on aura mis à jour, quand véritablement, je vais avoir un peu de temps, je vais prendre un journaliste d'investigation. Et puis, il y a deux choses qui m'intéressent. La première chose, c'est si tu payes des impôts en France et combien de milliards tu fais depuis tant d'années, combien tu as ramassé d'oseille aux pauvres investisseurs français. Et surtout, comment ça se fait que toi, qui fais de la publicité mensongère, que toi, qui n'affiches même pas, alors que l'ESMA l'oblige, les résultats perdants des comptes, hein, on est à plus de 80% sur la plupart du temps, comment ça se fait que toi, tu n'es jamais amendé, tu n'es jamais inquiété? Tu n'as jamais été inquiété par les gendarmes de la bourse. Jamais, jamais, jamais. FXCM a été inquiété, XTB a été inquiété, il y en a plein, IG Market a été inquiété. Ils ont tous été inquiétés. D'ailleurs, pas assez à mon goût, quand on voit l'autre espèce abruti en Andorre qui se fait passer pour un hedge fund et puis en définitive qui déchire le compte et qui ferme son hedge trois mois après, forcément, il y a un problème. Ils avaient déjà été mis à l'amende par l'AMF qui leur avait dit arrêtez, ça se voit, hein. C'est un peu gros quand même. J'aimerais bien aussi avoir des gens de l'AMF qui viennent sur le plateau. J'aimerais bien les avoir. C'est moi qu'on vient emmerder. Pourquoi vous n'allez pas les emmerder eux? Pourquoi véritablement vous n'allez pas les emmerder eux? En tout cas, c'est réglé. Tu as vu comment je suis précis? Vous avez vu, les gars, comment je suis précis? Regardez. Chirurgical. Il est 20h. C'est l'heure de manger. À tous, je vous souhaite en tout cas un bon appétit. Hein? L'apéro? Ouais, sauf que moi, je ne bois pas. Ah bah, je bois pas d'alcool non plus. Et si on ne boit pas d'alcool? Par contre, Mariana, la réaction de Mariana, moi, à mon avis, Mariana, hein, le Chupito, là, oulala, ça doit y aller, Chupito. Hein? Mariana, on la salue, on lui fait un bisou, bien sûr. Elle est adorable. C'est une jeune fille qui nous a rejoint et qui assure au niveau broadcast. Petite un peu. Recherche un mec qui ça Sarah, je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Il faut me l'enlever, ce garçon. Alors lui, il a cru qu'on était une plateforme d'échangiste ou j'en sais rien. Virez-moi ce garçon, bien évidemment, c'est clair. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'ai adoré la faire. Elle a été préparée avec l'ensemble de l'équipe. Merci à Léo, Mariana, Charlotte, Hugo et les autres. Un clin d'œil à l'équipe de développement qui travaille comme des brucos. Comme des malades. Comme des malades, pour nous sortir en tout cas tout ce qu'on veut, quand on le veut. Et sincèrement, récupérer l'expérience de quelqu'un pour le traduire dans un logiciel d'intelligence artificielle, c'est énorme. On parle bientôt d'un fonds. Chut, t'en as trop dit. Oh non. T'en as trop dit. Purée. Un fonds de Genius. Chut, fallait pas le dire. Take care, tchuss, enjoy. N'oubliez pas, je vous aime. Ciao, bye bye. Allez, mets-nous la musique qui donne.